Bonjour et bonne rediffusion à vous YouTube et bienvenue à Twitch. Bonjour. Aujourd'hui, petite découverte d'un jeu en coop avec Terali. Ouais. Donc c'est Alien Tales Taverne. C'est développé par C'est Marc Game. Et du coup, voilà, on va se faire une petite coop. Et on n'a pas lancé le jeu, donc ça va être le gros bazar. On l'a installé tout à l'heure, c'est ça? Je crois. À peu près. Bon, j'ai quand même trifouillé et je me suis fait un avatar. Voilà, mode sexy. En mode sexy. Ah, ça me parle pas de toi. Ouais, j'ai mis toutes les formes en valeur là. Ah bon. Oh ouais. Et du coup, et je sais même pas si je crée une nouvelle partie ou si je m'y rejoins moi. C'est une bonne question. Interdire aux clients d'enlever les meubles. Alors attends, Taverne Zéro, on appelle ça comment? Le Pandi Coin. Le Pandi Coin Coin, parce que c'est mieux quand il y en a deux. Je peux le copier parce que sinon, si t'es allé, faut qu'elle le cherche. Voilà, je l'ai écrit dans ton chat. Où ça? Pourquoi je te vois en déco? Sérieux? C'est parce que ça s'est pas mis à... Ouais, t'es offline. Je recommence tout. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux, t'es en live. Coucou, t'es rallye. T'avais cliqué sur le bouton arrêter? J'ai pas fait exprès. Comment c'est? Je t'ai écrit le truc. Alors, connexion en cours. Venir rentrer dans la game. Par contre, j'ai mis ton chat, mais pas le mien. Voilà, c'est mieux là. Allez. Alors, parler aux marchands, je m'en fous. Je veux voir Terraline. Bonjour. Ouais. Bonjour. C'est bon, tu peux faire? Oui, je peux rejoindre. Du coup, je te vois débarquer où? Ah, c'est vu, c'est vu. Ah, Ouais, je mais te vois. copiteuse, presque. Toi aussi, et presque. Et toi aussi, t'as mis ton fessier en avant. Hein. Non, c'est pas vrai. Oh, tiens, regarde-moi ça, la paire de fessiers. Bon, la devanture aussi. À toi alors. T'as vu ça un peu? Bon. Tiens, j'ai une question bête. Si tu parles au marchand, est-ce que ça valide ma quête? T'inquiète, toi, au moins. Let me assume you are the new owner of the tavern we're standing in front of. Ils me disent de parler wow, au marchand. You are a seer. Yes, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern. Chinois. My dream has come true. Mon rêve est devenu Some réalité. Dream of oui. Knights in shining armor, saving royal figures, engaging in duels and determining the fate of the world. And you dream of serving oatmeal and ale to commoners? Well, why oatmeal? I have a knack for culinary arts. My purpose is to turn sad and hungry citizens into happy and well-fed ones. Well, it's a noble cause. The people around here love to eat and drink, and they know how to have fun. Nice to meet you. And who might you be?
I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me to buy, to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests. Que de personnes agréables. Il n'est que lui tout seul. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories. But getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern and to send any troublemaker packing. You have a way with words. Allez, arrêtez de raconter sa vie là. Ouais, et du coup, interested in making a deal? Acheter une hache. Interested in making a deal? Bah ouais, mais ah, boutique, c'est là. Oui, c'est là. Une hache. Détruisez les planches. T'as eu ta hache quand je l'ai achetée ou t'as acheté la tienne? Non, je suis obligé d'acheter la mienne. Ok. Bon, bah on a l'air beau avec une hache. Et toute belle. Ça casse pas le foin. Non. Trop facile. Je te laisse la planche du haut, je suis trop petite. Comment ça, t'es trop petite? Ouais, ouais. C'est tout noir. Comment ça fait tout noir? T'es déjà rentré dans le truc? Je vois rien. Oui, je suis dedans. Ah, aïe. Elle me fout une porte dans la tronche. J'y suis pour rien, moi. Que la lumière soit. Mais je veux bien que la lumière, elle soit, mais allume la lumière, quoi. T'as allumé où? Là, au milieu. Ah, d'accord. Bon, j'ai eu un peu de mal, mais oui. Pardon. C'était trop tentant. Caisse endommagée. Caisse-moi ça. Tout cassé. Faut acheter un balai. Faut retourner le voir pour acheter un balai. Tout cassé. Bon, cassé déjà avant. Moi, je casse pas. C'est crade, hein. Oui. Oh, il y a des sacs. Ah, c'est pour les inventaires du player 2, du player 3 et du player 4. Elle est où la porte? Elle est là. Je sais pas lire comme ça, moi. Moi non plus. Si quelqu'un comprend. Bon. Greetings, traveler. Ouais, bah du coup, t'es en train de m'arnaquer. Toi, tu commences déjà bien. Faut que j'achète un balai. Rien nous donner. Et comment je fais pour changer le balai? Je sais pas pour toi, mais moi la molette ça suffit. Ah. Je vais. Oui. C'est les flèches, moi. Moi, elle s'occupe de ça, je vais m'occuper du dedans. Ça aussi, je suppose. Tout ce qui est foin, boue, toile d'araignée, je crois. J'ai nettoyé la toile d'araignée, c'est pour ça que je dis ça. Il n'y avait pas d'araignée, sinon tu l'aurais écrasé. Je l'aurais écrabouillé. Ils nous disent déjà d'acheter des trucs alors qu'on vient même pas... on n'a même pas fini de nettoyer. Je te jure. C'est nous nettoyer avant. Bonjour Monsieur Ben, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Théralie, je te présente Monsieur Ben qui va nous permettre de faire le jeu de vendredi. Il faut que je fasse tout correctement avant. Et j'ai pas pris le temps de faire le message. On a tout nettoyé? Bah, je crois. Oui. Ah, il n'y a plus. Merci beaucoup à toi surtout. Et du coup, je ferai ça ce soir parce que là j'ai pas eu le temps. J'ai dû me reposer
Parce qu'après, c'était dure journée avec Terali, donc je vais me Mais faire comment ça? taper. Yalash! Ouais, ok. Moi aussi, j'en ai une. Bon, on peut pas se tuer. Tiens, ça, c'est pas drôle. Oh! C'est flûte, hein. Par contre, on n'achète pas tout, toutes les deux. On achète Non. juste un truc. Pas besoin. Bah, si tu veux acheter, vas-y. Bah, je vais acheter la marmite et le fermenteur, et toi, tu prends le reste. Ok. Alors, marmite Que je prenne. et le fermenteur. Mais déjà tout nuit, on n'est même pas arrivé. Pas de soucis. Bon courage à toi pour le boulot. Et je m'occupe de toi ce soir et je fais tout propre. Alors, je suppose que ça, c'est pour dire ça va devant. Je suis dans la cuisine, en fait, là, oui. Oui. Une poêle. Ah, mais t'aurais pas pu dire que t'étais plus gros, toi? Parce que là, oui, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Y. Dans ce sens-là. Vas-y, tu peux le faire. Mais non, mais j'essaye de faire ça bien, t'as ralu quand même. Ah bon. Parce que. Parce que bon, hein. Regarde la différence quand même. La différence de taille. Bon, et du coup, t'as acheté la cuisine. Je pense, oui. Et le reste, t'as pas fait? Bah, c'est la quête suivante. C'est la quête suivante. Elle a demandé trop vite. Acheter un fût, Donc moi je acheter prends ce genre. je sais pas pour toi mais je vais en prendre 3 des shops, peut-être non? Si tu veux, ouais. Si on doit faire plusieurs boissons. Où t'achètes quoi? 3 shops. Trois shops. 3 shops, 3 assiettes et 2 seaux, parce qu'on est deux. D'accord, bah, j'achète. Ou alors c'est chacun son seau, peut-être. Ce sera mieux. J'en avais déjà un, mais pas grave. C'est bon. Non. Allez, hop. Remplir le seau d'eau. Remplir le seau d'eau. Donc j'ai le seau dans la main. Il est où le... Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Je te vois pas. Hein. Dehors, derrière la maison. Où il y a le petit carré, ça serait peut-être, c'est peut-être ça, c'est ça? C'est peut-être Non, ça. c'est pas ça parce que c'est dans la maison. Non, c'est derrière la maison, faut que t'ailles. Je suis là. Oui. Là. Puis, tu restes appuyé sur. Je sais pas laquelle c'est. C'est bon, je suis rempli. Et oui, c'est le Oui. truc que j'avais pas compris parce que ça m'embêtait. Que j'avais rien compris le truc. Et maintenant? Préparer un moût d'orge. Voilà, t'as dû tripoter quelque chose parce que ça m'a mis un. Ok. Ah, pardon. Ah, j'ai pas acheté l'orge, tu l'as acheté toi? Oui, je l'ai acheté. Ça tombe bien, parce que moi non. J'ai tout pris. Tadam! Ça c'est. Ouais, du coup, je vais mettre de l'eau dans le lave-vaisselle moi. Bah si tu veux. Comment ça? Voilà, c'est fait. J'ai mis de l'eau dans Encore le trop. lave-vaisselle. Par contre. Ah, mais il en a pris 6 des fûts. Comment ça? J'en ai acheté un et j'en ai 6 dans les pattes. Des fûts ou des chopes? Emplacement pour la vaisselle et je peux pas poser la vaisselle.
Et là, il refaut de l'orge. Il faut que j'aille. Pourquoi ça, il y a du feu partout là? Mais ça, c'est normal, ça. C'est parce que c'est en cours de cuisson, on va dire. Bon, de toute façon, on va falloir rechercher de l'eau. Je vais rechercher de l'eau, j'en ai plus. Faut le mettre dans le mal d'orge avec un peu. Ah oui, donc t'avais pris deux seaux d'eau, toi? Non, j'ai pris un seul seau. J'ai pris un seul seau, ok. Ok. Par contre, oui. Alors là j'ai les assiettes, donc du coup c'est moi qui fais ça parce que quoi? Parce que c'est comme c'est moi qui ai les assiettes, tu pouvais pas te remplir, non? Bah non, je pouvais pas utiliser. Voilà, on a des assiettes. On a des assiettes, on a de quoi boire. Ouais, remplissez une chope de bière. Qui va où? Qui fait table et qui va en cuisine? Comme tu veux. Oh, je sais pas. Chacun son tour. On verra bien qui a besoin de quoi. Et donc ça... Il faut que je le place. Le fût, j'en fais quoi, moi, du coup? Ah, le fût, il faut le laisser là. Ça sert à remplir les shops. Ouais, mais comment je fais pour te le poser? De quoi, bah, tu le poses sur les... La vieille planche. J'ai bugué en le disant. Mais non, je peux pas poser le fût. T'as déjà un... Ah, t'as un fût sur toi? Oui. Tu peux pas l'utiliser dans soit le fermenteur ou soit la machine de brassage. Je sais plus c'est lequel. Non. Ah, peut-être qu'il manque de l'orge. Bon. C'est normalement pour créer les boissons. Donc il faut que j'ai un fût sur moi pour remplir le fût de bière. C'est ça. Ok. Donc par contre, j'ai plus d'eau. Je vais aller chercher de l'orge. Et je vais rechercher un seau, comme ça j'aurai comme toi deux seaux d'eau, ça sera mieux. Je t'ai dit j'ai un seul seau. Oui, d'accord. Un seul seau. Ouais, j'ai un seul seau, en fait, j'ai des allers-retours. A plus de pognon, Terali. Comment ça, on a plus de pognon? Moi, je vois zéro pognon. Ah bon, en plus, c'est lié. Ah bah... Et par contre, on n'ouvre pas, ils viennent quand, les clients? Ah, c'est parce qu'on n'a pas activé le panneau. Et on n'a pas de table, donc ils vont pas boire. Ils vont pas venir, je pense. On a trop dépensé. Oh là là. Oh là là, le bazar. Non, je vais vendre ma hache. J'aurais pu vendre les fûts. Hein. C'est pas en trop? Bah oui, j'en ai 6 dans mes poches. Bah allez, j'en ai besoin, le seau, j'en ai besoin, bah j'ai que ça. Non mais je vais vendre le... Je vais vendre des fûts. Boutique et je veux vendre, je veux pas acheter. Où t'as droit de te vendre normalement? Tu vas dans la boutique. C'est bon, trouvé. Il me faut combien pour une table? Oh, il m'en faut plein de sous. 350. Bon, bah, on reprend tout. Attends, je sais pas comment ils comptent, hein, mais je vends des trucs à 100 et je suis arrivé à 500.
D'accord. J'ai pris une table. Par contre, j'ai tout jeté l'orge. Enfin, j'ai tout revendu l'orge. C'est pas grave, c'est le temps de se refaire. La table, je la mets en plein milieu, sur un côté, tu préfères quoi? Pour le moment, tu peux la mettre en plein milieu, si tu veux. Au moins, comme ça, ça gênera pas le passage. On verra si t'as des clients. C'est bon? Maintenant, il faut ajouter au menu. C'est ce que tu es en train de faire? C'est ce que j'étais en train de regarder. Vas-y. Mais vas-y, toi aussi. Vas-y. Vas-y, chacune son tour. Vas-y. Vas-y, ajoute les chopes de bière. Faut ajouter des chopes de bière. Oh là là. Ah, et quelqu'un qui arrive. Bonjour madame. Et quelqu'un qui arrive. Au secours, on est foutu. Non, c'est juste une bière. C'est rien une bière. C'est rien. Donc tu lui poses sur son truc là. Je la pose ou pas, je la prends. Elle s'assoit et du coup elle te commande un truc. C'est ça, bah tu vas pouvoir le faire vu que. Il y a la switch. Elle est dégueulasse. Elle a acheté une pomme. Elle est bourrée là. En plus elle est tout salie. Une chope de bière. Alors, pour information, quand ils sont bourrés, tu leur donnes un coup de balai. Et voilà. Une soupe de bière. À porridge. Ils sont en train de nettoyer. Ok, bah, je vais la livrer. Voilà. Hop. Je maintiens la touche, sinon ça ne te va. Et je leur fais une bière. Et je la mets en haut, c'est plus facile à attraper. Vous voulez du porridge? Porridge. Il y a un porridge qui traîne. Tenez. Ok, donc là on est coincé parce que on n'a pas de fût. Ah si, on en a un là. Oui, non mais. Là j'ai refait un truc et je peux plus le ramasser puisque j'ai pas de fût. C'est pas grave, quand celui-là il sera vide. Oui, c'est pas grave. On le remplira. Commencez à fermer la taverne, on vient d'ouvrir. Attends 2 minutes qu'on fasse du pognon. Je te jure. Lui, il veut une chope de pierre. Hop, je vais faire la vaisselle. Ok. Par contre, c'est son ventre qui fait du bruit, là. C'est quoi? Qui a fait du bruit? Alors, et il faut que je fasse des assiettes. Oui, il veut un porridge. Porridge. Tu m'as fait grimper sur le comptoir là. Pardon. Alors, j'ai pas fait exprès. C'est celle. Oui. Attention, c'est deux. 3. Alors, 2 porridge et une bière. J'ai la bière. 2 porridge. 2 porridge. Donc maintenant, on n'a plus d'assiettes. Ils sont à 3 assiettes de porridge. Il n'y a plus de porridge. J'ai plus d'eau et plus d'orge. Tu veux attaquer de choses? J'ai un peu d'eau, donc je peux mettre l'eau, mais l'orge. Bon, je vais chercher de l'orge chez le voisin. Tu vas l'acheter. Vas-y, je fais la vaisselle. J'ai une bière. Et je fais le grand tour de la taverne parce que je sais pas passer au milieu.
Greetings, traveler. J'en prends deux. Allez, hop. Par contre, il veut qu'on ferme. Oui, il veut qu'on ferme. Je sais pas. Alors, je suis en plein dans le menu, et du coup, je vois même pas ce qu'on a. Nouveau table ronde et je sais plus quoi. C'est chelou leur truc. Pourquoi c'est chelou? Bah, en fait, j'étais dans le menu et du coup, je vois pas du tout le bazar. Bon, ça c'est fait. Elle en est où, Materali? Il faut un porridge. J'arrive. J'ai pas d'assiette, j'ai plus rien là, j'ai plus de. C'est toi qui as toute la vaisselle. C'est moi qui a tout, ouais. Voilà. Hello! Une chope de bière, c'est fait. Oui. T'es prêt. Je prends la vaisselle. D'accord. C'est moi où il n'y a plus d'eau dans la vaisselle. J'arrive avec l'eau. Il reste deux. Donc, hop. Voilà. Et hop. Et du coup, on peut remplir le fût. Oui. Et lui, il veut à manger. Manger ? Non, il va boire. Bah attends, j'ai pas encore commandé. Bonjour monsieur. Youf. Une autre bière. Prendre le fût. Oui. Il reste appuyé sur E. Mais c'est un X. Hop. C'est un X. Et je remets le fût. Ouais. Et je remplis le machin. Et je pose là pour que Terali serve. Et là, je remplis le truc. Hop. Est-ce que je peux trouver quelque chose dans la forêt? Peut-être. Ouais. Mais si on va se balader, faut qu'on arrête de faire des clients. C'est pas faux. Parce que là, il y a un client qui attendait et je savais pas. Enfin, moi non plus. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Je veux une bière. Une bière. Hop. Bon, du coup, on ferme le truc. Il manque une assiette. Ou tu y as servi une assiette? J'ai rien servi. Oui, il y a une assiette sur la table. Et il y a un verre aussi. Oh, il pouvait pas le dire il y a deux secondes, lui. Je l'utilise, c'est bon. Je l'ai nettoyé. C'est nettoyé. Du coup, faut que je refasse cuire du porridge. Y a moyen. Il a pas rempli le pseudo. J'ai de l'eau. Moi aussi j'ai de l'eau plein. Du coup, si on ferme pas, on va jamais y arriver. T'as fermé? Oui, j'ai fermé. Mon prochaine étape, c'est servir 10 plats. Donc il faut ouvrir. Oui. T'as encore de l'or sur toi? J'ai rien sur moi à part le seau et le balai. Du coup. Greetings, traveler. J'ai vu que t'avais un seau à un truc pour mettre les fûts, c'est ça? Moi non, mais la taverne, oui. Donc je vais prendre un deuxième truc à fût là.
Et je reprends de l'orge. Et allez, c'est parti, on va servir ces 10 plats. Arrive, attention. Bah là, c'était pas lancé. Mais c'était prêt, mais pas lancé. Alors, fût de bière, c'est ok. J'aurais pu prendre à manger aussi. Trois porridge et deux bières. T'as tout ce qu'il te faut? Je sais pas. Non, il manque une bière et un porridge. C'est fait. Que je fasse gaffe à pas me planter ici. Donc ça cuit, ça cuit. Il pourrait le monsieur. Ah, elle aime ça, hein, les foutoirs. Oh, l'autre, il m'a acheté la chape là. T'inquiète pas, on n'est pas propre la taverne. Madame, oui. Ah, ça y était propre. Oui, il y avait un trognon de pomme qui traînait, je suis sûre c'est la madame qui l'a ramené. Hein? La madame? Hein? Oui. Lui, il veut un porridge, j'ai une bière. Et une bière. Pas de bière. Merci, une bière. Merci. Et du coup, vu que tout est à peu près cuit, je vais rechercher le... Je vais regarder, mais... Racheter trois trucs... trois assiettes et trois trucs à bière. Ok. Greetings, traveler. Oh, monsieur. Alors, 1, 2, 3. 2, 3. Alors, de l'orge. De l'eau, cuir. Non, mais je prépare. De l'eau. Oui, c'est pourquoi. Attends, j'ai juste envie de t'embêter. Tu veux que je te casse ta gamelle? Non. Un client. Elle est serveuse là. Tu bosses plus? J'arrive. un porridge. Ouais, monsieur. Pourquoi j'ai un trop long de pomme? Je sais pas d'où il sort. Non plus. J'ai commencé à t'envahir l'autre côté. Hein. Vas-y. Si tu veux, on échange de place. Bon, prends le fût, il est vide. On le remplit. On le remet en route. Et il n'y a plus d'eau. Coucou. Mais j'ai plus d'eau dans mon seau. Mais si. Mais c'est bon, j'en avais plus. Et la routine d'une taverne. Ok, la routine d'une taverne, il a dit. De l'eau, c'était pourquoi? Ah, et
une bière en plus. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il a demandé deux porridge et une bière, mais il en a pris qu'un porridge et il a pris la bière. Ouais. Pourquoi tu marches pas, toi? Tu devrais cuisiner normalement. Ça va, tu t'en sors. Niveau de taverne ouverte, grain de maïs et maïs à la vapeur. Parlez aux marchands. Bon, je te laisse servir. On sert le dernier coco là, et puis après, on range tout. Ils sont fermés, du coup. Fermé. Sinon ils vont continuer à venir. Il va fermer la taverne, c'est bon. Attends. T'aimes bien donner des coups de palette aussi. Je viens de commencer, c'est mon premier coup. Allez plus vite là. Allez plus vite, allez. T'as failli te prendre un coup de balai, hein. À moi. Allez. Oui, j'ai commencé à t'en mettre un peu ici aussi, Terali. Comment ça? Ah oui, effectivement. Parce que j'ai vu que tu prenais tous ceux qui étaient devant, du coup, je les ai mis là devant aussi. Vu que ceux de derrière, tu les prends pas tout le temps. Mais c'est parce que ceux de derrière, je les vois pas en fait. Je m'en doutais. Ils n'y voient pas. Bon, Ali, on va parler aux marchands. Ouais. Il y a de l'autre, elle est encore bourrée, elle est encore là. C'est toi qui parles ou c'est moi? Vas-y. I see things are going smoothly for you. Don't you think it's time to get your hands a little dirty? I mean, learning to grow your own plants. In the backyard of the tavern, there are garden beds and a creature that will be your guide into the fantastic world of plants. En vert, toi? Non. Bah, on est mal barré, alors. Y a Monsieur Magique Plante, là, derrière, c'est ça qu'il a dit? Du quoi, hein? Du quoi, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est rien, j'ai juste fait tomber quelque chose. Je me dis, ça y est, elle est partie, elle nous fuit et tout. Mais non! J'ai juste fait tomber quelque chose. C'est rien. Moi j'ai trouvé les machins magiques, hein. Good day to you. Ah bon. Derrière la maison. À côté du puits. Par contre j'essaie de retirer les déchets mais j'arrive pas. Hello Scary. My mother said I'm handsome. Non mais comment tu le parles? You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this, what's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. It was a fun time. No doubt. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. No, I'm talking about the garden. Here you can grow fruits and vegetables. Je veux te faire pousser de l'herbe. It's possible, though you'll have to work hard. All this rubbish. Mais l'épouvantail, il veut qu'on fasse pousser de l'herbe magique. Good luck. Ouais. D'ablayer le jardin. Bah, c'est toi qui l'as. Ah oui, tu l'as toujours pas racheté la tienne. Non. Non, on en avait besoin pour la table.
Ah, je savais bien qu'il y avait un souci. Je dépensais des... Je vendais des trucs à 100 et je suis monté trop. Mais on est à 400 là, tu peux te reprendre une quand même. Bon. Il y en a encore un bout là. C'est bon? C'est tout propre, il a dit. C'est quoi ça? Je sais pas. Bonjour. Mais pourquoi tu le tapes, le pauvre? Mais c'est un bout de viande! Oh, on peut récupérer des... Ah! Bonjour, j'ai pas de hache. Comment? J'ai récupéré des cuisses de grenouille. Et moi, j'ai récupéré du pognon sur le mort-vivant. Ah. Bon, bah, je sais pas ce que tu... Je t'attends pour parler au machin. On s'est fait agresser. Il n'y en a pas un autre, hein. Bah... Je ressors mèche, moi. Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah. This place looks like a vegetable garden now. It's time to plant something. Do you know where I could get some seeds? But that's illegal! Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well, it's a pity. Wild corn grows nearby. You can collect seeds from it. Thanks. I'll go look for it. You're welcome. Bon, faut qu'on aille chercher des graines de maïs. Mm-hmm. Par contre, ça doit être en face. Tu vas peut-être t'équiper d'une hache, toi, non? Oui, quand je vois qu'on se fait agresser, oui. Greetings, traveler. Par contre, t'as pas une lampe de poche, papy? Non, mais il a une torche, si tu veux. Ah. Bon, on verra. Ah, ça. Bah voilà. Ah. Bonjour. Bah du coup, on doit être dans le truc parce que là, faut ouvrir les yeux, quoi. Bah, ouais, c'est... Ça? Je crois que c'est du maïs. Il y a marqué prendre. Oui. Du coup, on va chercher des plants de maïs. Du cochon! Cochon! Du cochon! Pardon! Elle est sympa! Hop, t'inquiète, on va trouver quelque chose qui nous tue. On va pas faire la même. T'as un autre mot de maïs. Ah, moi. Là, 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 y'a un truc dégueulasse. Ouais. Il y en a une autre, elle est rouge. Oh, je suis collée. Elle me vise en plus. Elle est un petit peu à distance, celle-là. Je suis entoilée, celle-là. Coucou. Coucou, Liam, bienvenue au secours. Tu as ramassé ces trucs? Oui. L'arc. L'arc. Blair. Je t'ai dit qu'il y avait des trucs qui allaient nous sauter dessus qui étaient dégueulasses. Non, j'ai pas eu... Bon, là, c'est le cadavre. Il nous en manque un, hein, du maïs. Du maïs. J'ai un maïs. Mais je peux pas te les donner. Mais moi, j'en ai ramassé deux, comme toi. Ah si, je peux te les donner. Attends, t'es où? Mais celui-là, mais on s'en fout. Il faut chercher le dernier. D'accord, d'accord. Bah, j'ai passé trois fois devant. Ah. Ok, parce que là j'en ai un là. C'est pas grave si on en a plus. On en fait plus pousser, non? C'est pas fou. Il fait jour en plus. On sera peut-être pas agressé par des araignées sauvages. Elle est où la taverne? J'ai oublié. Il est par là-bas tout droit. Tu prends la route et c'est tout droit. C'est ce que je pensais. Je pensais suivre le chemin, mais. Et te trompe pas de chemin, hein, parce que... Là, j'en ai eu... C'est quoi, ça? Non, c'est pas du maïs, ça. Mmh.
T'en as trouvé 3 toi du coup? Moi j'en ai un. J'ai 3 graines sur moi. C'est quoi que ça? Une glande à venin. C'est chouette. C'est l'autre qui m'a agressé là. Bébête que t'aimes pas. Ah ouais, non mais direct hein. Je t'ai dit que... Ah ça, ouais t'as vu ça un peu, le cochon il a pas fait long feu. Hein. Elle s'est perdue ou qu'est-ce qu'elle fait? Y'a de l'orge dans un tonneau. Ah ça c'est bien, j'ai pas vu de tonneau moi. Ah c'est normal, je l'ai cassé mais... Oui non mais j'ai pas vu de tonneau sur tout ce que j'ai... Regardez. Bon, ici, on allait planter du maïs. C'est un méchant là-bas. Coucou. T'es vilain? T'es gentil? T'es méchant? Je crois que c'est un méchant. J'ai oublié de sortir ma hache. Tu crois? Ah, par contre, j'ai oublié de récupérer ce qu'il y avait dessus. C'est clair, il y a du pognon. C'est parti tout seul, pardon madame. J'ai perdu le jardin par contre, du coup maintenant. Ah, il faut suivre l'épouvantail. Suivre l'épouvantail, il bouge pas. Hey there, I've got the seeds. Are those the ones? The ones. Wow, I wasn't hoping. Plant them ASAP. Can you tell me? Maybe there is some kind of technology. You plow the ground with a hoe. Plant it. Elle essaie de cramer l'épouvantail. L'épouvantail qui veut de l'herbe magique en plus, hein. Understood? Qui est prohibé. I'll take care of it. Oh, I can't wait. Acheter une houe. Quoi? Acheter une houe. Je suis encore passé à l'extérieur. C'est quoi ça? Je suis comme toi. Toi, je sais pas. C'est le panneau de la Sainte Taverne. Par contre, est-ce que je vends le bazar que j'ai pour qu'on fasse du pognon ou pas? Bah, pour l'instant, on peut pas les utiliser, donc... Regarde, on a été chercher, il y avait du grain de maïs, là. Oh là 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 là. Oui, mais c'est gratuit. Je vais vendre du coup. Oh, ça sert à rien une potion de vie, hein, Terali. Une potion de vie? Bah, si, je suis à 45 points de vie. Ok, je vais peut-être la donner. Je sais pas, je vais te la donner. Le sanglier, on peut pas le cuire pour l'instant. Non. Et hop, j'ai vendu le sanglier. Bon, ça, je vends pas le grain de maïs et je. Et du coup, une houe. Et toi, t'as pas assez. Ou tu l'as déjà assez? Elle est déjà achetée. J'ai pas acheté. Et non, j'ai pas assez. Mais c'est pas grave. Il manque l'un d'entre nous, là. Bon, alors, du coup... Allez, va travailler, là. Attends. Comment je te donne, du coup? Y? Tu jettes. Comme ça. Là, derrière toi. Ah tiens, arrête de bouger. C'est quoi? Arrête de bouger, oui, elle s'enfuit. Il y a des trucs chelous, là. Comment ça, il y a des trucs chelous? À côté d'ouvrir la taverne. Mais il faut qu'on aille planter les graines. Good day to you. Good day to you aussi. Les tableaux de quête. Oh. Je savais pas que ça existait. De tableaux de quête. Ouais. C'est ça que t'as dit. Oui. Et par contre, je veux bien planter et tout, mais tu vas arroser en même temps. Comment ça, je vais arroser? Bah, faut bien arroser, non? Super, non? Ah, je suis en train de mettre tout, mais j'en ai 4 à planter. Hein.
récolter le maïs. Mais c'est pas pour tout de suite. On peut le fertiliser? Avec quoi? J'ai rien pour fertiliser. Moi non plus. Faut attendre. Je t'ai lu la phrase de Liam parce que moi je l'ai lu tout à l'heure, mais est-ce que toi je te l'ai lu? Alors non, je l'ai pas lu, mais t'inquiète, j'ai vu. Ok. Bon bah faut attendre. On fait du pognon? On peut. Encore de l'eau. Yep. Yep. Une commande est arrivée. Consultez le tableau des commandes, il a dit. Bah du coup, c'est ça. Oui. Livraison de maïs à la vapeur. Mais je vais pas la prendre. On sait pas encore le faire. Puis on n'a pas de maïs. Et j'ai déjà pris les commandes, mais je sais pas comment on fait. Comment ça? On pouvait prendre deux commandes, une avec des bières et un avec des porridge et je sais pas. Ah oui. J'ai bah dans l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Moi c'est le dans le sac à dos. Moi j'ai par exemple la touche B et après t'as des recettes. Maïs à la vapeur, il nous faudra du maïs et de l'eau. Et pour le moment, livraison de nourriture, shop de bière et maïs à la vapeur. Mais pourquoi du coup? Et il y a du thon. Ah bon? Oui. Donc, t'as ta shop de bière? J'ai ma shop de bière, mais... Tu l'as dans tes poches, là? Oui, j'avais. On va mettre suivre. Et puis on va y aller tout de suite parce que sinon. Bah t'es déjà parti. Oui. T'as ta hache à la main. Oh. Y'a pas le temps. Et oui, j'ai la hache à la main. Je savais pas qu'il y avait du temps. Enfin, pour moi, c'est un truc avec du temps. Hein. Mais. Oh, y'a. T'arrêtes pas. Je vais m'arrêter. Mais on peut pas les prendre. Nul. Bah, si tu croises une araignée, tu sais quoi faire? Je hurle. C'est tout? Bah, c'est tout. Oh, c'est joli ça. Est-ce que c'est vraiment joli? Ça a l'air de puer. En plus, ça fait des dégâts. Ah! Ouais, du coup, elle est empoisonnée. Il y avait pas des clients là? Si, mais j'ai des. Ils sont là et j'ai déjà. Ah, bah, ils ont disparu. Ok. Et du coup, on a perdu une chope de bière. Oui, mais ils ont payé plus cher. Ouais, mais il va falloir racheter une chope de bière, c'est tout. Normalement, tu devrais pouvoir te démerder pour trouver la tanière. La taverne. Elle est juste devant. Oui, c'est pour ça que je dis ça. J'ai une hache. Et je sais m'en servir. Je te jure. À la place de l'espèce, j'ai une hache. À la place de l'espèce. À la place. À la place de l'épée, j'ai une hache. De l'espée. Mais c'est toi qui comprends pas là. Côté tuyau. Alors. Je raconte le maïs. On va falloir couvrir le maïs assez vite. Et y a pas de place. Y a pas de place pour le maïs. T'as essayé de me cramer le cul là? Non. J'ai une quête de maïs à faire et j'ai pas de place. On a du pognon pour acheter le truc? Non. On est foutu. 280 donc. Retournez voir l'épouvantail.
Hello, comrade. What is it that has grown? Corn. Du maïs. It's corn, but it should be magic weed. Mais ça aurait... But that's illegal. So what if they put you in jail for 20 years? I've been here over 100 years, and I'm not complaining. You know, I'm a great cook. I can make something for you to lift your spirits. Okay. Boiled corn is very popular nowadays. I'd love to try some. It's near to me, but I'll try. I will wait here. J'en ai planté 4, j'en ai ramassé 8. Du maïs cuit à l'eau. Oui, mais il faut que je fasse du... Je vire du porridge, on a plus de place. Ou alors, faut une deuxième cuisinière. Ou sinon... J'ai ouvert la taverne. Oui, j'allais dire, sinon on fait des sous en attendant. Et on a perdu la quête du maïs, elle est partie. Dans la quête, j'ai plus le maïs. D'accord. Retrait à 93%, on l'a dit. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas vu? Il a dit propreté à 93%. Et attends, ça veut dire que bientôt on va avoir un balcon? Ouais, on va avoir un balcon. Bah écoute, j'ai l'impression... Ah! Attends, faut peut-être que je retire la hache parce que sinon je vais te taper dessus, toi. Je sais pas ce que ça fait. Du porridge! Ça tombe bien, il y en a. Oui, c'est qui choisit ce que tu veux servir. Hein? Oui, on choisit avec le livre ce qu'on veut. Oui, servir. Non, mais elle voulait deux porridge. C'est bon. C'est bon, j'en avais deux préparés. Deux clients. Trois clients. Un porridge. Une bière. Et un porridge et une bière. Alors, deux bières. Et deux porridge. Ouais, je crois qu'il y a leur bidon qui part là. Ah, il repart parce qu'il n'y a pas assez de place. Il faudrait peut-être qu'on refasse une table aussi. Je suis parti faire la vaisselle. Il y a un client qui attend quelque chose. J'ai une bière. J'ai replacé une table. Oui. Une bière, il y en a une là. Toi, tu dégages là. Allez, oh, file. Oust. Le monsieur, il veut un porridge. Je vais à la vaisselle. Ouais, c'est leur bidon qui fait du bruit. Hein. Je me suis trompé de touche, ça l'avait pas. Monsieur, il veut une bière. Voilà une bière pour monsieur. Alors, un porridge. Et je vais commencer à cuire du maïs du coup. Ouais. Il me faut... Attends, il faut 10 maïs. J'en ai que 8. Du porridge. Du coup, je te refais du porridge. Hein. Et du coup, va falloir acheter une deuxième cuisine parce que sinon, j'ai pas d'orge. J'en ai... Faut mettre de l'eau. Je vais remplir mon seau. Par contre... Ouais, bah c'est good night là, faut que tu te mettes à la page, mec.
Un porridge pour la madame. J'ai toute la vaisselle dans tes poches, je suppose. Ah, c'est possible. Effectivement, la vaisselle chambre. Ah, puis je refais la vaisselle. Ah, mais attends, je crois que j'ai un but, moi. Non, j'ai pas de bug, c'est juste moi qui ai fait des oublis. Ah bon. T'as de quoi refaire du porridge ou pas toi, Miss? Bon, faut que j'aille dépenser des sous, Terali. Ok. Tu veux voir si je peux reprendre des graines de maïs, parce que là on en a pas assez et je peux pas cuire. J'ai pas assez de maïs pour faire ce qu'il nous a demandé. D'accord. Donc des grains de maïs. Ok, donc 90, j'en achète 15. Wow. Et du coup, je voulais voir si on pouvait prendre une deuxième cuisinière. C'est quoi que t'as pris? C'est la cuisinière à une plaque, c'est ça? Je sais pas. Oh. Et après, on va avoir des trucs. Un lave-vaisselle automatique au niveau 8. Je pense que ça doit être la cuisinière à une plaque. Hop, je vais la mettre. Oh là là, tout l'argent. Ouais, tu t'es bien embêté à faire du pognon et moi je dépense tout en un coup. Voilà. Par contre ça, ça serait mieux que ça soit là. D'accord. Je t'ai dit qu'ils faisaient du bruit avec leur bidon. Je vais faire du plantage. Ok. Good day to you. Good day to you. Oui, par contre, ça vaut pas le coup d'aller se promener hein, pour chercher les graines de maïs. Là, je viens d'acheter le parterre complet. Ça fait 90. Pour 90, j'ai tout le maïs. Oh. Bon, du coup, je vais te remplir les trucs d'eau. Okay. Attends. Le fût, il est vide. Vite, remplis le fût. Okay. T'en remets de la bière. Non, je fais du truc à droite à gauche pour t'aider. D'accord. Je remets un fût de bière en route. Ouais,
papier. D'accord. J'ai remis de l'eau. T'as encore de l'or sur toi? J'ai plus rien à part par un son. Je vais aller chercher de l'orge parce qu'on en a plus. Good day to you. Mais je t'ai déjà dit que c'était la nuit. Ça va, tu t'en sors avec les clients, ils sont pas trop chiants? Non, ça va. Greetings, traveler. Par contre, ça serait bien qu'un jour on ait. On puisse. Faire de l'orge parce que bon. Ça va faire revenir cher au bout d'un moment. Au bout d'un moment. À force d'acheter tout le temps l'orge. Je sais pas ce que t'as fait. Le gris, un steak de sanglier. Oh, steak de sanglier, c'est trop tard. On l'a vendu. Oh, ça nous empêche pas de. D'aller à Arthur. J'ai vu que on avait une nouvelle commande. C'est quoi ta commande? Livrer un client. Shop de bière et pourride. Je vais pouvoir aller la faire celle-là. Ou tu veux que je reste avec toi? Bon, c'est comme tu veux. Allez, je la prends. Shop de bière et pourride. On met la hache. Et on met la quête. C'est parti. Ouais, c'est le matin en plus, on va pas se faire agresser par les araignées. C'est pas. Chut. C'est quoi toi? T'as un champignon magique? J'ai trouvé un champignon magique sur la route, Tali. D'accord. Bah tant mieux. Non, c'est un champignon azur. Tu vas pouvoir le vendre? Peut-être. Vu qu'on a pas de recette pour l'instant. Toi t'as un truc qui vole là. Je vais passer loin de toi. Récupère le maïs quand même. Ils sont en train de pique-niquer à côté de je sais pas quoi là. Tiens, un émeraude et un azur du coup. Hey. Ils ont dit. C'est toi qui ouvert, de quoi? Bon, ça s'est ouvert tout seul. De quoi? Bah tu verras. La taverne elle est un peu plus grande. Ah bah ça s'est ouvert tout seul parce que moi j'ai rien fait. Je suis partie d'ailleurs. D'accord. Je reviens de. Oh la curieuse. Mais non, c'est pas question d'être curieux, c'est que j'ai fini ma livraison. Ah t'as fini. Je croyais que tu faisais juste la curieuse. Ah du coup j'ai trouvé un tonneau, Tarly. Oh, j'ai trouvé Dieu dans le tonneau. Tu crois que c'est normal? Non. Sérieux, j'ai trouvé Dieu dans le tonneau. Hein. C'est pas des conneries. Je vais te montrer ça. Alors attends, est-ce que je peux le... Est-ce que ça se fait comme ça? Voilà, on a Dieu dans la taverne. Je suis revenu, hein.
Fous pas le bordel chez moi, toi. Donc oui. Il s'appelle Dieu. Quand j'ai ouvert le tonneau, il a dit ramasser Dieu. Aïe, aïe. Oui, je suppose que tu t'en doutes, mais je fais pas de pause. Hein. Ah, le sanglier! Le sanglier, il se barre! Reviens là! Trop tard. Trop tard. Je vais le dire. Oh. Mais pourquoi je peux pas prendre la plante? Je sais pas. Elle est peut-être pas cuite. Bon, Thérèse, elle a plus rien là-dedans. On m'a dit de servir, on m'a pas dit que... Non mais, je te mets des trucs, il faut que tu cuisines quand même. Je savais pas, moi. Non mais, faut que t'aies quelque chose à servir. Donc comme je suis revenu... Et maintenant je... Ouais, goûter to you. Ah, c'est parce que je suis pas restée appuyée, c'est pour ça que je pouvais pas. Bon, je vais pouvoir faire du maïs, Thérali. Ouais. Ça peut me faire économiser. T'as vu le pognon là-haut? De quoi le pognon? Il a monté le pognon. Oui. C'est normal. Il y en a une qui travaille, c'est pour ça. Des secteurs silus. Il y en a une qui travaille et l'autre qui court partout. C'est ça. Attends, c'est en deux temps le machin. Faut cuire l'eau et après mettre le maïs. Oh. Ok, c'est ça. Faut cuire l'eau et après tu mets le maïs. Bon, du coup, t'auras du maïs. C'est fait. Hey. Par contre, si t'appuies pas sur cuire, Thérèse, tu vas pas le remplir, le machin. Cuire. Ouais, en fait, à chaque fois, il faut que tu mettes cuisiner. Sinon, ça marche pas. C'est le X en général. Que depuis tout à l'heure je fais juste servir et vaisselle. Mais en fait c'est parce que j'ai vu que tu l'as fait plusieurs fois le truc. C'est pour ça que je te le redis. Mais non, mais c'est parce que je voulais ramasser sur la table. Oui. Elle est là. Moi faut que j'ai deux bouts de maïs à planter. Par contre les outils se cassent. Pas faux. Lui, ils ont une durabilité. Oui. Bon. Du coup, c'est bon, il y a du maïs. Faut que je rachète des assiettes, peut-être, non? Non, j'ai tout sur moi, je pense. C'est juste pour faire moitié-moitié. C'est si tu veux du porridge ou du je sais pas quoi, c'était pour t'aider de la place. Une bière et un porridge. Une porridge et une bière. Et où la bière? Ouais. Et la petite sirène, tu retournes à l'eau là? Elle est double. Je
Arrête de chanter, on chante pas dans cette taverne. Il en faut du bazar. Bon, alors, je vais prendre tout ça. Il faut de la bière là. J'ai plus de verre. Oui, ça arrive. La bière. Il en faut encore deux. Attends, l'autre il fout le bazar là. Je fais la vaisselle. J'arrive. C'était pas ça. Comment ça? Où j'ai encore rempli le machin au lieu de juste appuyer sur X pour mettre les trucs dedans. Oh. Alors, tu veux quoi? La bière? Quatre bières. Quatre bières et deux porridge. Pourquoi j'ai qu'une bière, moi? Je peux faire qu'un verre de bière. C'est peut-être moi qui les ai. Ah oui. Ouais, hey, puis que... attends, on en a pas racheté aussi. Oh, les saligots. Il y a un tas de foin devant la porte. Bon, je récupère des verres et des assiettes parce qu'on n'a plus rien. D'accord. Ça sert à quelque chose, tu crois, l'étagère à assiettes et l'étagère à chope? Bah, la place de faire la nourriture à l'avance, ça peut être pratique. T'as besoin de quoi? En urgence? Je sais pas. Regarde les clients, tu me diras après. J'ai pas pris les... Alors déjà, je vais avoir un souci. C'est qu'on a fait que du maïs. J'ai pas les chopes. Ah non, parce que j'arrête pas de me battre. Non, ah, mais je viens d'acheter des chopes et je les ai pas dans mon inventaire. Ah si, ça y est, elles sont là. Ok, j'ai trouvé un astuce à faire. On a plus de porridge, par contre, t'as rien dit. Bon, alors, déjà, une chope. Une chope. Ah, tu peux même la boire. Truc. Du maïs, ça, je peux te servir. Du maïs, je peux te servir. T'en es où, toi? Là, je fais des bières. Il m'a pété dessus, lui. Allez, oust. Je suis passé à côté, il m'a pété dessus. Je vais faire la vaisselle après. Parce que j'en ai plein les poches. Donc, ce que je disais, dans l'inventaire, tu peux mettre en dessous ce qui te dérange. Genre, là où j'en ai pas besoin sur moi, là. Je la mets en dessous. D'accord. Allez, hop, vaisselle. Alors,
Ça, on met à terre, allez. Hop. Des porridge, t'en as à servir, là? Je vais les servir. J'en ai trois dans les... Deux, trois. Et l'autre, il veut une bière. Ça tombe bien, j'en ai encore dans mes poches. Hop. De bière et du houblon. C'est que du sale après. Bon, je peux servir le monsieur là. Et après. Ouais, bah non, mais j'ai. Vas-y. Je sais pas ce que tu voulais faire. Bah ouais, je voulais juste. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Vous avez plus. Ah, y a plus d'eau. Puis j'en ai pas dans mes poches. Alors du coup. Par contre, oui, il me manque un truc. Là, moi, si toi tu te débarrasses, c'est, bon, c'est toi qui as toutes les assiettes ou inversement. Et ouais, peut-être que si on fait la vaisselle et on repose les assiettes à côté, c'est peut-être plus simple pour la deuxième personne. C'est pas faux. Je remets des bières. Là on a quoi? On a trois porridge. Il faut du maïs à servir. Mais non, c'est pas. C'est moi qui ai le maïs et tu m'as pas dit qu'il faut venir le mettre. Ouais, c'est. C'est bon, le maïs il est reparti à cuire. Et moi, du tout, j'aimerais bien poser. Non. Non, je peux pas. De quoi? Te poser les assiettes. Pourquoi tu pourrais pas? Les assiettes vides. Oui, pourquoi tu pourrais pas? Tu peux les poser, toi. Ouais, je les jette, quoi. Enfin, pas dans le sens où je les vends, mais je jette pour que tu puisses ramasser, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 on va prendre vos commandes là. Hey. Hey. Alors, j'ai un porridge qui est là. Allez, hop. Ça y est, le maïs c'est fait. Alors. Ça va bien. Toi, j'ai pas. On du maïs. Oh non, j'ai pas le marteau. Y a deux fouettes. Allez, y a deux fouettes. Un maïs et un porridge. Marteau. De réparation. J'arrive. Ah d'accord. Une chope. Bon, je viens de faire une tournée de clients. Il n'y a plus rien à bouffer. Ah.
client qui... Et sur tout piqué ce qu'il y avait à manger. Oui. Choupinette. Oui. Je vais fermer la taverne. Parce qu'il est 16h, c'est ça? Ouais. Deux chopes de bière pour le monsieur, c'est bon, on peut le servir. Décidé de faire la vaisselle, elle a toutes les assiettes dans les mains. Alors. Donc, alors, attends, est-ce que. Ok, ça marche bien. Pierre Alia m'a encore dit, bien sûr, que fallait que je mette le maïs. C'est pourquoi je te l'ai dit. Hein. J'ai pas entendu. Ah oui, j'ai bien remarqué. Bon, on a dit stop. Je voudrais, et vous, qu'on ait un coffre ou quelque chose, parce que c'est embêtant, là. Plus tard, je pense. Est-ce que par hasard, t'as rien... Ah oui, là, on a un petit truc en plus. Ah oui. C'est la salle de stockage. Ou c'est pour mettre les trucs à bière. C'est tout. C'est tout le truc en plus. Là, ça sera au niveau 8. Je vois, il y a un tonneau. Il y a quelqu'un qui a épinglé quelque chose. Il y a la même chose de l'autre côté. Mais oui, voilà, je sais pas, je suis... Oh, t'es rallye ? Oui. On a oublié de faire la quête, carrément. C'est pas faux. Bon, allez, il faut qu'on s'arrête. Oui. Enfin, il faut que je m'arrête. Merci de nous avoir regardé YouTube. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye. À bientôt. Hop. Et...